Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubon. Nous continuons ce que nous avons commencé sur les sorciers. Sorciers, mauvais conseillers. De quoi s'agit-il? Pourquoi le diable place-t-il une personne sorcière à côté de vous? Si vous ne le savez pas, cette vidéo va vous aider à comprendre tout cela. Et tout se trouve dans le titre. Et oui, dans le titre de cette vidéo. En fait, quand le diable place un sorcier à côté de vous, ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. Quand il place une personne sorcière à côté de vous, c'est pour que cette personne-là fasse un travail. C'est pour que cette personne-là accomplisse une mission. Et l'une des missions que le diable a donné à cette personne, c'est la mission de conseiller. Conseiller. Ça veut dire que le diable va amener ce sorcier à côté de vous juste pour gagner votre confiance d'abord. Et faire en sorte que tellement vous avez confiance en cette personne, vous allez vous permettre même de l'écouter, de croire en elle. Alors que ce n'est pas du tout une bonne personne. Cette personne est là pour travailler pour le diable. Mais vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas. Et le sorcier mauvais conseiller, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est de combattre la volonté de Dieu dans votre vie. C'est de combattre les ordres que Dieu vous donne. C'est de vous combattre dans tous les sens. Surtout quand vous prenez une décision. Ou quand vous voulez même prendre une décision. Lui sera là pour faire quoi? Pour vous induire en erreur. Déjà, avoir un sorcier auprès de soi, c'est un problème. Je vous l'ai dit hier. Maintenant, avoir un sorcier conseiller, ça c'est un double problème. Dans la mesure où, si votre ami là, c'est un sorcier, et puis vous ne le savez pas, ce qui va se passer, c'est que à force d'écouter, à force d'entendre cet ami sorcier là, à force de l'écouter, vous allez écouter ce qu'il vous dit. Vous risquez même de mettre en application ses recommandations, ses conseils. C'est là, on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est là une personne qui n'aime pas boire de l'alcool, à force d'écouter quelqu'un parler de cela, va être amené à goûter un peu. Mais oui, son ami a peut-être dit, ah mon ami, c'est vrai, tu ne bois pas de l'alcool, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, s'il te plaît, voici un verre, bois un peu. Il va dire non, je ne bois pas de l'alcool, pardon, laisse-moi. Il va dire non, écoute, juste pour me faire plaisir, bois juste un peu. Maintenant, vous avez dit que bon, vous avez un bon cœur, vous êtes gentil, vous voulez lui faire plaisir, comme c'est son anniversaire là, vous ne voulez pas, vous voyez non. Et vous allez essayer de boire maintenant. Hey! Vous avez dit que bon, même si c'est juste un peu. Vous allez boire juste un peu pour lui faire plaisir. Ça veut dire que ce sorcier-là va se mettre dans une position où vous allez vous dire que bon, c'est votre ami. Parce que vous ne savez pas que c'est un sorcier, vous pensez que c'est votre ami, alors que lui c'est un sorcier. Lui il sait qu'il est sorcier, c'est dans sa conscience qu'il sait. Mais vous ne le savez pas, vous pensez que c'est un ami. Parfois vous pensez que c'est votre meilleur ami. Ou bien un frère. Et vous allez dire que oh, c'est un frère. Même si je ne bois pas, je dois lui faire plaisir. Ça veut dire quoi? Tellement il vous a parlé. Il a parlé sa parole, il s'est entré jusqu'à ce à force d'entendre ça sortait. Mais à un moment donné, c'est bloqué. À force d'entendre de telles personnes à côté de vous,
vous donner des conseils bizarres, vous allez finir par les écouter un jour, pour mettre à l'application ce qu'ils vous disent. C'est pourquoi on vous dit, vraiment, n'ayez pas de mauvais conseillers à côté de vous. En fait, n'ayez pas d'amis sorciers. Parce que leur simple présence fait beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie que vous ne pouvez pas, comprendre. En ce moment-là, vous allez comprendre que le sorcier qui est là à côté de vous, il est là pour vous donner des conseils qui vont vous induire en erreur. Il est là pour vous donner des conseils qui vont vous détourner du chemin de Dieu ou même de vous-même votre propre chemin. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de porter un vêtement rouge. Wow. Et lui, il arrive. Il voit que tu as porté le vêtement rouge et puis tu dis non! Ça ce n'est pas bon! Ça ne te va pas, ce filet! Ce n'est même pas joli! Porte le vêtement bleu qui est là-bas. Maintenant, toi, si tu es là, tu dis que ah, c'est lui qui a les yeux pour voir. S'il dit que c'est vilain, c'est que ça peut être vrai. C'est possible, ça peut être vrai. Et à force d'entendre cela, même, ça va t'amener à ne plus croire même en ce que. Ça va t'amener à ne plus croire en ton choix. Au point où maintenant, tu as laissé ton choix, maintenant, tu as dit bon, ça va. Attends, il a porté le vêtement un peu là, et puis bon, après ça me gêne pas, ça va. À partir du moment où il t'a parlé ici, et puis tu l'as écouté la première fois, et que ça a vraiment fonctionné, il va applaudir pour ça. Le diable même va applaudir pour ça. Tous les sorciers vont applaudir encore. Parce que ce n'est pas seulement cet ami sorcier là, c'est moi qui travaille contre toi. Il y a des millions de sorciers qui sont derrière ta tête. Et tous ils travaillent contre toi et ils soutiennent ce sorcier qui est à côté de toi là, dans son travail, dans sa mission. Ah! Mais à ce moment-là, toi, tu ne le sais pas. À ce moment-là, toi, tu n'es pas au courant. C'est là que je te dis. Méfie-toi des gens qui te donnent de mauvais conseils. Méfie-toi vraiment. À certains conseils, quand toi-même tu entends ça, tu sens que vraiment c'est un mauvais conseil. Et si j'ai de tels amis auprès de toi, pardon, il faut vraiment t'éloigner d'eux. Sinon, ces gens-là vont t'amener même à aller voler. Ces gens vont t'amener même à faire quelque chose que tu ne souhaites pas faire. Tu peux être là comme ça. Et puis, un ami va venir te voir. Il va te dire, mon ami, écoute, je connais un marabout. Le marabout là, ah, on dit qu'il est fort, hein. Il peut rendre quelqu'un riche tout de suite là. Maintenant, toi, si tu entends ça, la personne qui parle là, c'est une personne à qui tu as confiance. Tu dis que oh, ça c'est un frère, c'est vraiment un frère. Il n'y a pas de trahison entre les frères. Toi, tu penses que c'est ton frère parce que genre vous êtes bon ami ou bien vous avez le même sang. Mais la réalité, c'est qu'un frère, c'est celui avec qui on a le même Dieu, on a le même maître. Lui, il adore le diable. Toi, tu adores le vrai Dieu. Vous êtes frère comment? Vous êtes juste frère par la chair, mais en esprit, ce n'est pas le cas. Et lui fait son travail sérieusement. C'est toi qui blagues. Non, lui, il est sérieux dans le travail qu'il a été fait. Hein. Il veut te détruire, mais il est là quand même. Il va commencer à te parler, te conseiller, te dire des choses, te dire des trucs. Il te dit que, ah bon, après tout, ce n'est rien. Allez voir un marabout, ça ne fait rien. Si c'est pour notre bien, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, quand tu vas te permettre à parler comme ça, au lieu de rejeter ce qui te dit à fond les ballons, ou encore à 100%, à ce moment-là, on va dire que ha, ce mauvais conseiller-là a été de faire vraiment un grand travail à côté de toi. Parce qu'il t'amène même à prendre une décision même qui va t'amener dans la tombe et tu le suis. C'est ça le sorcier mauvais conseiller. Il ne va jamais te donner de bons conseils. D'abord, le conseil qu'il va te donner là, ça aura l'air comme s'il veut ton bien. Mais quand tu fréquentes au fond là, tu sais que ça va te créer des problèmes plus tard.
On dit vous allez aller voir un marabout pour que le marabout va vous rendre riche. D'accord. Le marabout là, comment va-t-il faire pour vous rendre riche? Comment? Comment? Et quand on va vous donner la richesse aujourd'hui là, celui de qui il a pris la richesse là, est-ce que cette personne n'a pas demandé quelque chose en retour? Parce que nous savons que les pêcheurs aussi, tous ces gens-là travaillent avec des entités qui s'appellent les esprits. Nous savons clairement que les esprits, ce sont en réalité les démons. En fait, c'est le diable et son clan. Mais le diable, si le diable peut avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce que toi tu vas lui donner en retour? En retour? En retour? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu peux, quelqu'un qui t'a donné l'argent, tu ne peux pas lui donner, tu peux pas le payer avec de l'argent encore. Qu'est-ce que tu vas lui donner en retour, sachant que ce monsieur n'a pas besoin d'argent? Aïe. C'est là qu'ils vont vous dire que non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire du sacrifice de poulet, ce n'est rien. Vous pouvez faire le sacrifice de mouton ou bien d'un bœuf. Ou bien de plusieurs bœufs. Maintenant, tu dis que, ok. Si c'est pour tuer les animaux, ça va. Après tout, on tue les animaux chaque jour. C'est comme ça que tu vas parler. Hein? Ou bien, tu vas parler comme ça. Tu dis que, oui, après tout, on tue les animaux chaque jour. Donc, ce n'est rien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hey! Ton ami est en train de t'induire en erreur. Et toi-même, tu es en train de justifier le péché. De justifier le péché. Et cet ami là, lui, il est content. Hein? Dans le monde des ténèbres là-bas, on lui dit vraiment merci, on le remercie, hein? Le Dieu le remercie, le Dieu lui dit merci pour le travail que tu fais. Vraiment, toi, tu es un Dieu. Tu es vraiment un bon gars. On va te récompenser, on te donner encore plus de choses, plus de bonnes choses, plus de pouvoir. Là, cet ami sera content. Il va continuer son travail. Jusqu'au bout. C'est de vous mettre dans les problèmes. Il n'est pas là pour vous aider. C'est pour vous mettre dans les problèmes. C'est de vous détruire. C'est comme aussi ce qu'on a l'habitude de voir sur la route. Qu'est-ce que les hommes ont l'habitude de voir sur la route aujourd'hui? On voit beaucoup des belles femmes. Des belles femmes là d'ailleurs. Et des femmes qui viennent comme ça. Elle passe devant toi, son parfum te frappe. Tu dis, aïe, son parfum m'a frappé, c'est comme j'ai de la terre. Et tu es content. Tu la regardes maintenant. Tu regardes comme elle est belle. Tu regardes tout sur elle. Tu dis, waouh, ça c'est quoi ça? Mais elle est jolie. Par exemple, tu as dit qu'elle est jolie comme ça là. Ton ami est à côté, s'il y a un ami à côté, va te dire que vraiment, elle est belle. Elle est vraiment belle. Mais il faut de ta chance. Il faut de ta chance. Elle est peut-être célibataire. Il faut de ta chance. Vas-y. Là, tu dis non, tu as peur. Il dit non, vas-y. Je dis non, j'ai peur. Non, vas-y. Ouh, j'ai peur. Mais après. Toi, tu sais pas si. À force d'attendre ton ami là, de t'encourager à y aller vers elle, Tu as fini par dire ok, ça va. Après, tu sais, non, c'est un garçon, c'est un dieu, c'est fort. Je peux quand même aller vers elle. Et c'est là, ton ami, tu vas te pousser carrément là-bas. Et tu vas aller maintenant draguer cette fille. Alors que ton ami là, lui, le sorcier là, qui est à côté de toi. Ce mauvais conseiller là, lui il sait que cette fille là elle est une sorcière et dans le monde des ténèbres ils avaient prévu faire passer cette fille là juste à côté de toi parce qu'ils veulent te mettre dans les problèmes. Cette fille là elle est égale au problème, donc comme ils veulent te mettre dans les problèmes,
et qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils ont juste placé une amie là. Pour que quand cette fille va passer à côté de toi, cette amie a pu juste parler, te donner, te pousser, à force de parole, te pousser vers la tombe que représente cette fille. Maintenant, toi tu vas aller vers elle. Tu vas aller vers elle. Tu vas commencer à lui parler, lui raconter beaucoup de choses. Elle peut faire son malin. Elle va essayer de faire comme si elle ne sait pas qu'elle est une sorcière et qu'elle a été envoyée en mission contre toi. Et pendant que vous causez là-bas, ton ami, lui, s'il est là de son côté, il fait semblant comme s'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Alors qu'ils sont tous dans le même complot. C'est toi qui es le mouton de sacrifice. C'est toi qui es le mouton de sacrifice. Si Dieu ne t'a pas fait sortir de là, tu peux faire 2 ans dans cette affaire. 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même si tu es 50 ans, tu es dedans seulement. Tu marches avec des gens qui cherchent à te détruire. Tu es là, tu marches avec des gens qui cherchent à vraiment te faire du mal, mais tu ne le sais pas. Mais tu ne le sais pas où. Et tu risques d'appeler ce sorcier mauvais conseiller là ton meilleur ami. Tu risques de l'appeler ton meilleur ami. Tu peux dire que, oh, de tous les amis que j'ai vraiment, ce gars c'est ton meilleur ami. Alors que la réalité c'est qu'il fait semblant d'être un bon ami. Il fait semblant d'être un bon conseiller. Mais ses conseils vont te conduire dans la tombe. La fille là, si tu te mets avec elle, tous les enfants que tu vas avoir avec elle là, tous risquent d'être des sorciers et à un moment donné, elle va détenir ses enfants avec toi et ses enfants vont devenir tes ennemis. Et là, tes propres enfants vont te combattre. Oui, déjà même, elle va commencer même par détruire ta vie à petit feu. Tu vas commencer à avoir des blocages ici, des blocages là-bas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas d'où vient ces blocages. Quand tu es sur ce salaire, mais quand tu as rencontré cette fille-là, plus rien ne va, les choses se bloquent, tu ne comprends pas. La fille, elle risque de te dire que ce sont des sorciers de ta famille qui sont là-bas, etc. Ou même elle va dire que, oh, dans ma famille, il y a tous les sorciers, peut-être que ce sont eux qui font ça, prions. Mais là où elle va t'envoyer prier, là, c'est le diable. Change encore l'un de leurs représentants. C'est-à-dire que toi, ton meilleur, celui qui t'appelle ton meilleur ami là, et tu donnes de mauvais conseils pour aller vers la femme là. Tu vas maintenant, si la vers la femme là, elle aussi, elle va donner ton deuxième mauvais conseiller. Elle aussi va donner le conseil pour t'amener encore vers une troisième personne que son pasteur. Son pasteur là, lui aussi, c'est un sorcier. Ça va faire 3 personnes, ça va faire 3 personnes. Toi, tu as 3 personnes qui te donnent de mauvais conseils. Tu te donnes de mauvais conseils. Tu vas tirer là, tout le tour de peau. Jusqu'à ce qu'un jour, le bon conseiller se réfère à toi en songe. Boum! Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est là Dieu, hein. Par pitié, va dire, si je laisse cet enfant-là dans ça, il risque de tourner en rond pendant plusieurs années. Donc, je vais lui parler moi-même. Et c'est là, Dieu va te parler. Tu vas te parler, il va te révéler. Qui sont les mauvais conseillers qui sont autour de toi? Qui sont les mauvaises personnes? Quelles sont les mauvaises personnes qui sont autour de toi? Et quel est leur travail? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans ta vie? Et pourquoi tu dois sortir du milieu? Tu dois sortir du milieu de ce champ. Parce que tu dois vraiment sortir du milieu de Dieu. Tu dois carrément rompre les liens avec ces gens. Et à ce moment-là, tu dois te positionner seul sur la montagne. En fait, tu vas te retrouver seul. Parce que tu seras dans la solitude maintenant. Puisque tous ceux qui t'entouraient étaient en fait des ennemis. Donc quand tu vas te faire sortir du milieu de Dieu. À un problème qui va créer. Il peut créer juste une petite situation où tu n'as plus rien, tu n'as rien. Et c'est là, ils vont te montrer leur vrai visage.
Tu as dit que, ah, toi, tu étais mon ami. Je croyais que tu étais mon ami. Mais aujourd'hui, tu m'abandonnes, tu te moques de moi. Il va bien rire. Quand il a ri comme ça, tu l'as vu. Il n'y a plus d'amitié, l'amitié est brisée. Ta copine, la go, là, la suit. Elle est toujours partie, parce que, bon. On dit que quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais quand tu n'as rien, tu n'as plus d'amis. Donc, c'est comme ça, ils vont partir, boum. Et c'est là, Dieu va venir avec toi. Pour t'aider à monter la pente, à monter la colline maintenant. Et t'amener maintenant de fouet, la vraie personne qui va t'aider à aller de l'avant. La vraie personne qui va vraiment te soutenir en esprit et en vérité. Ça peut être la nouvelle femme que tu as passée devant toi. Mais ne sois pas trop pressé pour les gens, pour les femmes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de sorcières dehors. Tant que tu n'as pas vu les œuvres d'une sorcière, tant que tu n'as pas tiré d'affaires, tant que tu n'as pas tiré des problèmes sur eux, ou tu savais que tout le monde t'a abandonné, ne lève pas le petit doigt pour elle. Vois clair d'abord dans ses œuvres. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Si tu ne vois rien, si cette réponse n'a aucune réponse, c'est que c'est zéro. Évite-la. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le rôle de nouveau conseiller. Vous conduisez dans la tombe, vous laissez là et s'enfuir tout en riant. Mais Dieu est bon. Il peut vous parler. Il peut envoyer sa main vous aider. Il peut vous parler en songe comme par plusieurs autres manières. Et en ce moment-là, la seule personne que vous allez maintenant écouter, c'est Dieu. Dieu, le bon conseiller. Tout ce qui vous montre dans vos sommeils quand vous êtes endormi, ne négligez jamais cela. Parce que ce n'est pas le fruit du hasard. On dit les songes. Dieu parle en songe. C'est là où vous communiquez beaucoup de choses. Et la Bible va vous aider à comprendre certaines choses. Donc Dieu va vous guider par le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre aussi beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Il y a beaucoup de conseillers. Il y a trop de sorciers aujourd'hui. Faites très attention. Quand vous écoutez beaucoup de personnes, sachez que vous écoutez beaucoup de sorciers. Vous écoutez beaucoup de personnes. Vous savez que vous écoutez des gens sorciers, mais c'est pas bon. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc évitez. Vous-même là, apprenez à marcher seul, c'est très important. Apprenez à être seul à un moment donné, c'est aussi très important. C'est-à-dire vous devez vous retirer à un moment donné de tout le monde ou vous positionner quelque part où vous êtes seul pour réfléchir. C'est extrêmement important. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo demain sur Non So Bonne. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à vos amis et laissez des j'aime pour me soutenir, pour me donner beaucoup de force pour la prochaine vidéo. Et après avoir regardé telle vidéo, n'oubliez pas de prier pour que Dieu vous protège parce que les sorciers aiment beaucoup défier les gens. Dès que vous finissez d'écouter cela, ils vont venir le matin pour vous tester, pour voir si ce que vous devez écouter là, ça a bien entré dans votre tête. Est-ce que c'est bien la tête dans votre cœur? Donc vous dites, c'est moi, Seigneur, protège-moi contre tout le plan de mes ennemis. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur Non So Bonne. Soyez prêts!